qui s'est pas fait beaucoup dépôt dépouillé pendant ce mercato, et Harry Kane qui est l'ancien attaquant de Tottenham et qui devrait rejoindre, enfin on ne sait pas s'il va rejoindre la City, parce que c'est pas dit qu'il parte de Tottenham vu que il s'entend pas super bien avec le président de Tottenham, Daniel Levy. Il s'entend pas super bien avec le président de Tottenham. À voir que City pourrait acheter Harry Kane. On sait que Pep Guardiola, il est très intéressé par Harry Kane. Il aime beaucoup ce joueur. Je veux faire un petit aparté. Je tiens à dire que City n'a pas vendu beaucoup de joueurs. On les a pas dépouillés. Mais par contre, ils ont réussi à garder plein de joueurs. Leur équipe homogène qu'ils avaient l'an dernier, ils ont réussi à la garder. Et ça, c'est vraiment bien. Revenons au rumeur mercato, c'était juste pour dire que Manchester City se renforce très très bien. Du coup, c'est une affaire à suivre dans les prochains jours. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Malgré qu'ils s'entendent pas super bien. Du coup, là, je vais passer à la dernière rumeur. Du coup, les frères, c'est fini pour la vidéo du mercato. Des rumeurs en mercato, c'est des rumeurs qui vont se faire dans les heures à venir. Ça va se faire dans les jours à venir. Je vous dis tout. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Si t'as pas le temps ou quoi, ou t'as pas le temps de suivre le mercato, je t'invite à partager ma chaîne, à t'abonner, et dis-moi de quoi vous voulez qu'on parle dans la prochaine vidéo, et partage la vidéo, et soyez actifs sur la chaîne, parce qu'il va arriver de très très beaux cadeaux.